Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulu Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est d'extorquer des adversaires. Alors pour réaliser ce défi, vous avez plusieurs solutions, soit de vous lancer en duo, trio ou en section, pour que quand vous tuez un adversaire, il se mette en PLS. Donc il est à quatre pattes, il est accroupi par terre et il rampe. Donc quand vous tuez un adversaire et qu'il rampe, ce que vous devez faire, c'est d'aller près de cet adversaire et ensuite d'appuyer sur carré pour l'estorquer. Alors moi, ce que je vais faire, c'est une petite astuce que je pense que ça fonctionne, c'est tout simplement d'aller estorquer un garde de Lio. Parce qu'un garde de Lio, c'est aussi un adversaire logiquement. Donc si ça fonctionne, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Moi, c'est ce que je vais faire. Donc pour vous aider à trouver des gardes de Lio pour réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des gardes de Lio. Donc moi, je vais aller à côté de Holy Edge, donc juste ici. Je sais que bien souvent, il y a des gardes de Lio qui s'y trouvent. Après, c'est un peu aléatoire. C'est possible que les gardes de Lio ne s'y trouvent pas à tous les coups. Mais ici, principalement, ils y sont tout le temps. Regardez, il y en a un ici. Et il y en a même un ici. Alors, ce défi, si ça fonctionne avec les gardes de Lio, vous allez pouvoir le faire carrément en solo. Donc, vous n'êtes pas obligé de lancer en duo. Alors, ce que vous allez devoir faire, c'est tuer un des deux gardes de Lio. Parce qu'il y a deux gardes, mais il faut en tuer qu'un seul. Si vous tuez les deux, ils vont disparaître. Enfin, les deux vont disparaître. Donc, regardez, là, il est en PLS. Donc il est par terre, à quatre pattes, et bien vous appuyez sur carré pour l'estorquer, et comme ça vous aurez validé votre défi. Ah non, excusez-moi, parce qu'il faut estorquer deux adversaires. Donc ce que vous pouvez faire maintenant, oula non, il ne faut pas qu'il m'attrape. Ce que vous pouvez faire, c'est attendre que l'autre adversaire réanime le garde de Lio. Donc dès qu'il l'a réanimé, ben là vous tuez le deuxième garde de Lio. Oula, il m'a repéré, il ne faut pas qu'il me repère. Sinon, il ne va pas réanimer son pote. Donc, je vais aller chercher l'arme là-bas. Et je vais retourner près d'eux pour voir s'il l'a réanimé. Ok, donc là, il est vraiment en train de le réanimer. Regardez. J'attends qu'il le réanime. Ça ne devrait pas tarder. Ok, c'est bon. Il est réanimé. Maintenant, je tire sur celui-là. Mais je ne tire pas sur l'autre. Hein, parce que si je tire sur l'autre, l'autre va tomber par terre. Et en fait, ben... ça va tuer les deux adversaires. Faut que toujours qu'il y ait un des deux gardes de Lio qui soit debout. Donc là, j'estorque le deuxième adversaire. Comme ça, ça validera le défi. Donc bien entendu, là, les défis ne sont pas encore disponibles. Mais quand ils seront disponibles, ça m'aurait validé le défi logiquement. Alors si quelqu'un essaye cette technique, donc cette petite astuce pour réaliser ce défi et que ça fonctionne, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si maintenant, ça ne fonctionne pas avec les gardes de Lio, là, vous serez obligé de le faire avec des vrais joueurs adverses. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulu Mike et ciao. Peace.